gagne-moi le blé. Bon sang, c'est n'importe quoi. Ok, coupé, 5 minutes, ok? Pourquoi tu t'es arrêté? Cette prise était parfaite. Gagne-moi le blé, c'est piqué à Jerry Maguire. C'est super connu comme réplique. Je devais avoir 2 ans quand le film est sorti. Ok, ok. Alors dis-moi, gagne-moi le cash, tu préfères? Génial. C'est encore plus débile. C'est encore plus débile que tout ce film débile et ce décor débile. Je suis au courant que tu as joué dans je ne sais quelle série télévisée. Une petite minute, j'étais la star de la plus grande série que notre pays ait jamais produite. Tu as bien compris. Oui, et maintenant, tu fais des courts-métrages d'étudiants pour 100 euros par jour. Mais on avait convenu de 100. Mais personne ne m'avait prévenu que tu es plus hystérique qu'une diva. Espèce d'insolent et misérable petit con! C'est aussi simple que ça. Vous vous souvenez, en 2012, la campagne Volkswagen, c'était moi. La pub Bitburger pour le mondial, moi aussi. Mais quand il s'agit de nommer un nouveau directeur créatif, un poste pour lequel je donne tout ce que j'ai depuis 9 ans, vous faites quoi? Vous choisissez Gustave. J'en ai plus que marre de cette boîte. Aucun de vous ici n'a jamais su apprécier mes talents. Voilà pourquoi j'aimerais dire à mes chefs aujourd'hui, et ce du plus profond de mon cœur. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, c'est clair. Pendant que vous, vous jetiez votre fric par les fenêtres pour vous offrir des bolides ou des prostituées, oui, c'est de toi que je parle, Alex. Moi, j'ai épargné. Parce que je savais très bien que le jour arriverait où vous m'enfonceriez un couteau dans le dos. Et maintenant, je vais prendre mon argent et ouvrir ma propre agence de pub. Et je vous mettrai sur la paille. Je vais tous vous faire mordre la poussière. Vous êtes morts. Ok, c'est bon, ça suffit. Sécurité. Sécurité, oh. Quoi, sérieusement? Vous savez que vous avez devant vous 12 années de cours de karaté? Non, lâchez-moi. Non, non. Excusez-moi, seriez-vous intéressé par un compte d'investissement? Non, non, c'est gentil. Vous êtes sûr? Parfois, un nom peut vouloir dire oui peut-être, voire oui tout court, même si un nom signifie simplement non la plupart du temps. Sauf si nous étions dans une sorte de jeu de rôle particulièrement excitant et que nous étions enchaînés à des frigos, par exemple, en ayant convenu de mots d'alerte à l'avance, pour savoir que non signifie oui, ou que pudding au choco veut dire non, ou que cornichon veut dire oui. Et maintenant, on vit un compte? Non. Excusez-moi, seriez-vous intéressé par un compte d'investissement? Une seule allusion au cornichon ou au pudding et j'agrafe tes oreilles à tes bourses, espèce de sale pervers. Plus à partir de la hanche, le lancer. Tu sens? Et la hanche, bien en même temps que le pas. J'arrive tout de suite, mesdemoiselles. J'arrive tout de suite. C'était super, les filles. Dès la prochaine séance, je serai encore plus dur avec vous. Plus c'est dur, mieux c'est. Tu comptes jouer à ce petit jeu combien de temps? Quel petit jeu? Je parle de tes mains qui se baladent sur les hanches des filles, sur leurs fesses ou leurs poitrines. Eh, je touche pas les poitrines. Pas pendant les heures de travail, en tout cas. Sérieusement, Chris, tu peux pas continuer comme ça. Mais c'est rien, ça. C'est une piqûre de moustique. Une piqûre de moustique? J'ai parfaitement entendu ce que t'as dit le toubib. Ils ne vont plus renouveler ta licence de combat. Et ta rétine est dans un état absolument catastrophique. Eh, un boxeur peut me mettre KO, oui, mais pas une stupide rétine, Suzanne. J'en ai pas besoin. Je vois toujours aussi bien qu'un aigle.
C'est du produit désinfectant. J'avais vu. Et j'ai toujours mes cours de boxe féminine. Oui, pour l'instant. Mais un jour, ton six-pack se transformera en fût de bière et tes os commenceront à craquer. Tu crois vraiment que les femmes continueront à te payer pour que tu les fasses onduler des hanches? Je suis peut-être un peu aveugle, d'accord? Mais je suis pas stupide. Bien, j'ai un truc à te montrer. Merde! Alors, j'ai appris que t'as encore fait fuir une cliente. Je ne l'ai pas fait fuir, c'est seulement que je suis pas le genre à aimer soutirer de l'argent aux gens. C'est immoral, je trouve. C'est comme ça que marchent les affaires. Chez Schumacher, c'est comme ça. Ce type est un ramassis d'ordures. Un ramassis d'ordures? Il méprise ses propres clients, trompe son épouse, promeut ses collaborateurs, non pas en fonction de leurs compétences, mais plutôt de la taille de leur poitrine. Salut, Tobias. J'ai pas voulu dire ça, tu as vraiment mérité ta poitrine, ta promotion, je veux dire. Heidi, tu ne veux pas un petit café? Exactement là où tu te tiens, il y aura le ring de boxe, ok? La pièce maîtresse, en quelque sorte. Et là-bas, on mettra les sacs de frappe et les poires de vitesse, tu sais. Et puis là, on mettra les casiers, comme dans la salle de boxe de Mickey. La salle de boxe de Mickey? Ouais, dans Rocky, tu sais, avec Sylvester Stallone, le film. Et là, il y aura les tapis, c'est là qu'on mettra les poids et on pourra aussi sauter à la corde. Et comment tu vas te payer tout ça? J'ai passé ma vie à épargner et j'ai particulièrement bien investi mon argent. Et demain, je récupère enfin tout mon fric. Puis je signe mon contrat et je vis enfin mon rêve. Doux rêveur. Et qu'est-ce que tu vas mettre là en bas? Oh, je vais mettre un sauna. Carrément, un sauna? Ouais. Je vais te montrer, viens. Il faut bien que je pense aussi à ma clientèle féminine. Oups. Est-ce que tu ne pourrais pas penser un peu à moi, juste quelques secondes? Oui, bien sûr. Tu veux bien retirer ce truc de ta bouche, s'il te plaît? Ah, oui. Je le remâcherai plus tard. Chris. Quoi? On peut passer les préliminaires aujourd'hui? Il faut que je rentre mon mari à son anniversaire. Ah, ok. Ouais. Pourquoi avez-vous fermé la porte? La porte? Oh, parce qu'il y avait des moucherons. Des moucherons? Oui, des minuscules mouchettes qui n'arrêtaient pas d'entrer et de sortir. Les canailles. C'était infernal. Tobias. Savez-vous combien de banques je supervise? 9. 9 banques. Et dans 8 de ces banques, mes conseillers financiers drainent d'énormes sommes d'argent. Mais dans la 9e banque, le conseiller financier est une vraie chiffre molle. Un vrai raté. Même dans sa vie. Je veux dire, ce gars-là n'a même pas de copain. Et entre nous, je crois même qu'il n'a encore jamais baisé. Oh, ça c'est... Ça a l'air d'être un vrai nul. Tobias, c'est de vous que je parle. J'ai déjà baisé je ne sais combien de fois. Des tonnes de fois. Enfin, en réalité, peut-être pas forcément, disons, aussi souvent, mais j'ai ce problème avec la nudité. Je ne me déshabille pas très volontiers. Mais là, maintenant, j'ai des vues sur une femme et je lui laisse, en fait, juste encore un peu de temps parce qu'il y a que les idiots qui brusquent ce genre de choses. Vous savez, mon père vous a apparemment engagé parce qu'il pensait que vous étiez un génie des chiffres. Mais le seul chiffre que vous maîtrisez réellement, c'est le zéro. Le déficit zéro, en tout cas. J'ai bien conscience que j'agis de façon conservative avec les comptes de mes clients, seulement l'expérience. Je viens d'avoir une idée. Vous devriez devenir prof de maths. Des vacances à n'en plus finir, pas autant de stress qu'à la banque. Je suis bien ici, et vous ne pouvez pas me renvoyer. Pas sans raison valable, en tout cas. Monsieur Schumacher, je n'ai pas reçu le rapport quotidien du marché. Or, si la situation du marché a changé, qu'il y a eu une fusion ou je ne sais quoi, je dois le savoir, pour mes clients. Appelez la centrale, il s'agit sans doute d'une défaillance technique. J'ai déjà appelé 4 fois la centrale et ils ne m'ont toujours pas rappelé. Ils n'ont fait preuve d'aucun respect à mon égard, mais qu'est-ce que tu espères? C'est simple, j'espère que tu vas t'excuser. Et ensuite que tu rampes jusqu'à eux à genoux et les supplies de te redonner jamais ton poste. Tu peux oublier. Ton tempérament te joue souvent de mauvais tours.
N'oublie jamais que j'ai dû faire jouer toutes mes relations pour t'obtenir ce travail dans cette agence. Oui, et durant 9 ans, je me suis plié en 4 pour ces enfoirés. Sans moi, aujourd'hui, ils seraient nulle part. C'est faux. Toi, tu serais nulle part aujourd'hui sans eux. Je ne t'aiderai pas une nouvelle fois. J'ai plus besoin que tu m'aides. J'ai économisé 100 000 euros. Et avec ce fric, maintenant, je vais ouvrir ma propre agence. Et voilà la boîte à box de Chris. C'est super chic. Tu cherches vraiment à te suicider? Je vois déjà les gros titres dans la presse. Vedette de cinéma renversée par son épouse, qui parvient malgré tout à conduire leurs deux filles à l'heure à l'école. Salut mes princesses. Papa. Salut papa. Je t'ai préparé des œufs brouillés. Merci, et à plus. Ciao. N'oublie pas l'argent pour le chauffage. L'argent pour le chauffage? Pas de problème. Je le fais tout de suite. Voilà, c'est le moment de mettre la cagnotte dans ma poche. Tenez, comme ça vous me croirez. Regarde. 272 euros. Mais non, maman, j'ai exactement 6800 actions dans la société. Rotary Global. C'est ça. Je connais pas, mais à 4 cents l'action, ça fait 272 euros et 0 cents. Non, 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 non. Tobias Blumel. Blumel. Je veux voir mon conseiller en investissement. Messieurs, on se calme. Calmez-vous. Tobias Blumel. C'est mon conseiller en investissement. Où est mon argent? Mais vous, messieurs, Blumel. Je veux savoir ce qu'il a fait de mon argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous les trois? Je sais pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Il est seulement regrettable que notre conseil d'administration n'apprécie pas qu'un de nos employés fasse perdre à ses clients la totalité de leurs biens. Je n'ai pas touché à leur argent, j'ai simplement pas reçu les mails. Ah, j'ai pas... Oui, c'est vrai. La défaillance technique. Non, je vais vous montrer, attendez. Vous allez voir. Voilà. J'ai aucun mail. Qu'est-ce que... Les rapports de marché? Ils sont subitement tous là. Aïe, 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 aïe. Ça me brise le cœur, Tobias, mais j'ai bien peur de devoir vous demander votre démission avec effet immédiat. C'est vous, bien sûr. C'est vous qui êtes derrière tout ça. C'est un mesquin. Vous êtes une véritable crapule. Vous êtes un monstre. Ces hommes, là en bas, m'ont accordé, nous ont accordé leur confiance. Oh. Ils nous ont confié toutes leurs économies et vous les avez laissés... Vous les avez laissés tout perdre. Wow, impressionnant, Tobias. Vous avez un sacré talent. Ceci étant, je ne voudrais pas vous paraître tatillon, mais Heidi a les mamelons plus ovales et sa foufoune, elle la taille pour la réduire à un ticket de métro. Voilà, comme ceci. Une fille incroyable, c'est vrai, et je pense qu'elle se sentira bien dans votre bureau. Quant à vous, vous avez une heure pour quitter les lieux, c'est clair. Et j'y pense, Tobias. Laissez-moi quelques-uns de vos dessins. Hey, doucement. Hey, salopard. Qui c'est le camp d'ici? Non, on appelle la police. C'est vous ça, n'êtes qu'une connard. Bande de charognes. Tous les diables les uns que les autres. Venez, on va aller s'en jeter un, d'accord? Vous êtes qui, tous les deux? La banque gagne toujours. J'aurais pu m'acheter une super bagnole, des chouettes fringues, une nouvelle rétine. Jamais j'irai m'excuser, jamais. Freddy, elle a toujours cru en moi. Quoi que je fasse, elle a toujours eu confiance en moi, toujours. Et maintenant, elle croit qu'on a encore des réserves. Hors de question que je retourne les supplier. Alors que mon compte est vide depuis plus d'un an. Parce que ça fait un bail que j'ai plus eu de boulot, plus rien. J'aurais dû faire proxénète. Au lieu de ça, j'ai fait des épargnes. Et aujourd'hui, je suis même plus boxeur. Je suis aveugle, complètement fauché, le plus souvent pourri. Elle va vouloir me quitter, prendre les enfants avec elle et... Chut. La banque gagne toujours. Mon père ne leur a d'ailleurs jamais fait confiance. Vous savez où il planquait son fric? Dans la litière du chat.
Quoi, là où il faisait ses besoins? Je vous le dis, la banque gagne toujours. T'aurais pas une griffe dans ton disque, par hasard? La banque gagne toujours. Je veux dire, si jamais je revois ce conseiller en investissement, je vous jure que je... Tobias. Blumel, Blumel, Tobias, face de chiotte. Blum... Là. Entre. Face de chiotte, ouais. Salopard. Je vais te faire sortir les tripes par les dents. Doucement. Ne va pas en plus casser mon portable. Je ferai ça proprement. Sans suspens ni indice. Comment? Alors, pour commencer, je lui enfoncerai des punaises dans les orbites. Et ensuite, je lui épilerai les poils des testicules avec du ruban adhésif. Ça fait atrocement mal, l'horreur. Et une fois qu'il sera là, devant moi, tout nu et aveugle comme un oisillon tout juste venu au monde, je lui roulerai plusieurs fois dessus avec un rouleau compresseur, en avant, en arrière. Et quand enfin il aura les entrailles totalement écrasées et que ses boyaux lui sortiront par les hanches, je dissoudrai son corps dans de l'acide. J'ai vu ça dans les experts, de l'acide d'excellente qualité, hyper corrosif, pour qu'il ne reste plus rien, absolument plus rien de lui, pas même le plus petit tas de merde. Oh, oh les gars, pincez-moi. Oh. Oh. J'avais dit pincez, imbécile. Ah, doucement. La face de chiotte. Je vais régler le compte de cet enfoiré. Je vais remettre... Non. On ira directement en prison si on le tabasse devant témoin. Au revoir, monsieur Blumel. À bientôt. Laisse-moi faire, espèce de clown. C'est comme ça que je fais, moi aussi. C'est efficace. Nous sommes des témoins de Jéhovah. Mm-hmm. Hein? Et là, où est-ce que tu cours comme ça? Reste avec nous. Si tu la fermes pas, je t'arrache la langue avec les dents. Parfait. On va pouvoir commencer. T'as une idée de qui nous sommes? Ils viennent de te demander si tu sais qui nous sommes! Peut-être qu'on devrait lui enlever son baillon. Un seul mot de travers et ta bistouquette atterrit dans une benne à ordures. Podolski! Jürgen Podolski! Le tireur le plus rapide de la télé! Quoi, comme genre de tireur? Quoi? Mais comment vous... J'ai vu tous les épisodes de Boulette et Podolski! J'ai même tous les DVD de la série! Il a raison. Tu es ce fameux comédien? Non. Si, si, t'es bien ce comédien. Bon, d'accord. Oui, c'est moi. Mais quel comédien? Bah, ce Lukas Podolski. Le footballeur? Commissaire principal, Jürgen Podolski. Oh, comment est-ce que ça a pu m'échapper toutes ces années? Bah, c'est un peu normal, on ne s'est jamais parlé au téléphone. Je l'avais jamais vu, moi. Bah, t'étais vachement célèbre, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis toujours comédien, ok? Mais je suis devenu plus exigeant, je refuse des projets, je veux pas jouer dans n'importe quoi. Si je peux me permettre cette remarque, vous avez toujours été mille fois meilleur que ce Boulette. Boulette? C'était un véritable imposteur, il est parti à Hollywood et ça fait tout un foin, ils l'ont totalement surestimé. Dans la saison 3, épisode 12, la fin du trafic de drogue des stripteaseurs. C'était absolument grandiose. Oui, ça a été pour moi une période particulièrement intensive. J'ai fait 4 jours d'immersion pour me documenter. Oui, ça s'est remarqué, ça sonnait tellement juste. Oui, c'est vraiment votre talent. On pourrait en revenir à ce qui nous amène. Ce monsieur disait quelque chose. Tu veux bien le laisser finir? Reprenons. Vous disiez que mon talent... Votre talent? Mon talent, là, ici. Mon talent, selon vous, est... Digne d'un Oscar. Digne d'un Oscar. Tobias, je tiens à ce que tu saches que tu vis ton dernier jour sur notre belle planète. Je vais te découper en plusieurs petits morceaux. Et pour terminer... Je prendrai soin de te découper les roubignoles. Je les mettrai dans un bocal en verre et ensuite sur ton étagère avec ta collection d'œufs. Il bluffe, là. Je crois bien. Je suis innocent, je vous jure. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour mes clients, je vous jure. Jamais je...
D'accord, je suis pas parfait. J'ai un jour piqué une canette dans le distributeur. Parce que quelqu'un avait oublié de la prendre. Ou j'ai fait des dessins de nu d'une de mes collègues qui s'appelle Heidi, mais je suis sûr qu'elle n'est pas contre. Et tu t'astiques sur ces dessins? À ton bureau pendant tes heures? Non, je suis pas malade. Il a cligné de l'œil. J'ai pas cligné. Je l'ai vu aussi, et ce sont les menteurs qui clignent de l'œil. J'ai pas cligné de l'œil. Là, il a recommencé. Non, j'ai pas cligné de l'œil, j'ai pas non plus. Je suis vraiment un gars très honnête. C'est ça, et moi je suis la fée Clochette, et lui là, c'est les Didi. Bon, ça suffit, j'en ai assez entendu. C'est le moment de dire adieu à tes chères valseuses. Oh. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as tué le banquier? Quoi? Mais je l'ai même pas touché. Vous êtes témoin, c'est sa chaise qui a sauté avec lui par la fenêtre. J'y suis pour rien. Il faut le réanimer. Quelqu'un sait comment on fait? Ouais. Il peut pas respirer, il faut que tu déboutonnes sa chemise. Non, pas me déshabiller, pas me déshabiller! Pas de nu! Pas me déshabiller! Si vous voulez toujours me tuer, faites-le tout de suite. Vous me rendriez même service, de toute façon, j'étais. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous as fait? C'est pas moi, je vous jure. C'est mon directeur, le patron de la banque, qui a saboté mes comptes. Ah oui, c'est la faute de ton patron si on a perdu toutes nos économies? Oui, il cherchait une raison de me renvoyer. Il s'en foutait que certains de mes clients fassent banqueroute. Je vais te le foutre KO, ce salaud. On va pas se laisser faire. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi tu ne vas pas voir la police pour leur raconter ta version d'histoire? Et ils croiront qui, à votre avis? Hein? Ce monsieur Schumacher qui dirige 9 des banques les plus prospères du pays? Ou moi? Ouais, le pervers qui secoue le palmier à son bureau. Je n'ai jamais rien secoué! Non, bien sûr, tu n'as jamais rien secoué. Allez, viens, assieds-toi. Tout doucement, voilà, t'es bien mieux, là. Dis-moi, tu viens de parler de banques très prospères. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, la banque de l'ours a 6 milliards en circulation. D'accord, mais dans la banque, dans le bâtiment même, il y a tous les jours plusieurs millions en cash. Non, seulement le vendredi. Le vendredi, c'est le moving day. On ramène l'argent à la centrale. Le moving day? Moving day? Ça veut dire que l'argent est transporté ailleurs, espèce d'ignare. On peut se parler un moment, tous les trois. Donc, de façon purement hypothétique, oui, hypothétique. Mais... admettons que le jour du moving day, il y ait quelques millions qui manquent, qui disparaissent subitement. Ben, la banque... est assuré contre ce genre de choses. Il y a enquête, bien sûr. La police vient poser des tas de questions à tout le monde. Donc la banque récupérerait tout et aucun client ne perdrait son argent? Non, bien sûr, on n'est pas au Far West. Ce serait donc un crime sans victime. Venez à côté, s'il vous plaît. Tout de suite. Allez, viens ici. Chris, non. Replie tes jambes. Non, arrêtez. 2 minutes. Non. Je peux pas croire que vous puissiez réellement l'envisager. Les moyens justifient la fin. La fin justifie les moyens, pauvre abruti. Et si la fin, c'est qu'on braque une banque, c'est n'importe quoi. Si on a perdu notre fric en investissant dans une multinationale qui s'est effondrée, c'est parce qu'on est des ratés. T'es un raté, et toi aussi t'es un... Voilà que je parle comme mon père. Bah alors vas-y, casse-toi. Se partager des millions à deux, ça rapporte bien plus que se les partager à trois. Je me trompe pas? Non, non, c'est bien juste. Mais on doit compter Tobias avec. Pourquoi faut compter le secours de Palmier avec? Parce qu'on a besoin de lui. Il s'y connaît dans la banque, c'est notre initié. Si on veut vraiment braquer une banque, faut qu'on soit une équipe solide. Et dans une équipe, chacun a une mission et un poste bien particulier. Celui d'initié est le plus important. Et comment tu peux savoir tout ça? J'ai déjà traqué pas mal de braqueurs de banque, voilà comment. Oui, mais à la télé, Mr. Boulette et Potemski, seulement à la télé! Son nom, c'est monsieur le commissaire principal, Lukas Podolski. Non, Jürgen. Ouais, bon, c'est pareil. Tu devrais lui montrer un peu plus de respect, espèce de petit morveux. C'est n'importe quoi. C'est franchement n'importe quoi. Tu veux savoir ce qui est n'importe quoi? C'est que ma famille en soit réduite au minimum vital, qu'on ne puisse plus bouffer que des boîtes de raviolis parce qu'un connard de banquier a voulu se débarrasser de notre roi de la branlette. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que maintenant, j'ai même plus assez pour payer ce foutu chauffage. Je veux juste récupérer mon dû. Oui, moi aussi. Je veux juste récupérer le fric que j'ai si durement gagné. Très juste, Chris. Voire un peu plus, à titre de dédommagement pour... mon stress émotionnel et psychique. Bien sûr, une fois qu'on sera sur place, on pourra prendre autant qu'on veut. Ouais. Alors, tu marches avec nous ou pas? J'aimerais juste que vous notiez que moi, toute cette histoire, ça me rend extrêmement nerveux. Extrêmement nerveux. Mettez les boucles d'or. Bien. Toby Chou. Hey. Allez, sors de là, viens. Ah, doucement, doucement, hein. Te fais pas mal. Voilà. C'était confortable là-dedans? Voilà, c'est bien. Non? Referme doucement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez me faire de nouveau? Montre un peu tes lunettes. Non, pas me déshabiller. Relax, personne ici veut te déshabiller.
Je veux juste te remettre ta cravate correctement. Toby, ça ne te dérange pas que je t'appelle Toby. Dis-moi, est-ce que ça te plairait de te venger de cette foutue banque qui s'est mal conduite en lui jouant un mauvais tour? Et aussi, très accessoirement, te faire, par la même occasion, un beau paquet de fric. Hein? Quand est-ce qu'on s'y met? Notre cher Toby. Vous jouez au poker? Oui, jusqu'à en avoir les doigts en sang, parfois. Je n'ai jamais rencontré aucun d'entre eux. Oui, tu n'as pas seulement épousé un mec bourré de talent, mais aussi particulièrement apprécié. Dis donc, ma petite reine des abeilles serait-elle jalouse? Jamais de la vie. C'est juste que c'est assez surprenant. On est mariés depuis 11 ans et je ne t'ai pas une seule fois vu jouer au poker. Ça fait déjà 11 ans? J'ai l'impression qu'on s'est mariés avant-hier. Tout ton comportement ces derniers temps est vraiment curieux. Ah bon, tu trouves? Pourquoi tu m'as pas dit que tu as demandé à l'entreprise de chauffage un report de paiement? Ah, là tu m'as eu. Je voulais te faire la surprise. Bon, notre banque, ou plutôt notre conseiller financier, est un type incroyable. C'est fou ce qu'il peut sortir de sa manche. Il m'appelle il y a deux jours et il me dit que les cours en ce moment sont en train de décoller. On patiente quelques jours et on touchera le jackpot. C'est pas génial? Oui, t'as raison, c'est génial. T'as chaud? Pas du tout, non? Ok, commençons par une petite partie de Texas Shuffle. T'es au courant que c'est Texas Hold'em, pas Shuffle? T'es au courant que les petits malins finissent souvent par se prendre une trempe? Bon, les gars, concentration, ok? Notre banque. Où t'as trouvé ça? Au service de l'urbanisme. On y obtient aussi facilement ce genre de choses? Quand t'as une chaude employée de mairie dans ton cours de boxe et que tu t'appliques à lui procurer ce qu'elle te demande, elle te procure ce genre de choses en retour. C'est le bon plan? Oui, tout a l'air juste. Ok. Voilà le plan. On fonce dans la banque. Et tous ceux qui se mettent en travers de notre chemin, on leur fait sortir les tripes par les orbites et on prend le fric. Waouh, c'est génial, c'est vraiment génial. À côté de toi, Einstein ferait franchement figure de cancre. Hé hey. Encore une réflexion comme ça et Einstein t'arrache tes boucles d'or et te les accroche solidement au fion. Accroche plutôt solidement ton dentier quand tu parles. Oh, regarde là. Où ça? Il nous faudra le code pour la salle des coffres. Il le change tous les jours. Qui a le code? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a le code? Il demande qui a le code. Ah, c'est Ralph. Ralph est le vice-directeur et son bureau est ici. Quoi ressemble? Il ressemble à quoi? T'as un problème à tes oreilles. Ralph mesure environ 1m75, il a le nez très épaté et les cheveux gris. Comme ça à peu près. Et il va aux toilettes tous les matins à 11h pile. On dirait une nana. Mais on s'en tape. Voilà le nouveau plan. On fonce dans la banque, on trouve ce Ralph et on lui demande le code avant de lui faire sortir les tripes par les orbites et on prend le fric. Chaque employé de la banque a accès à un bouton d'alarme. Alors si on déboule là-bas et qu'on casse la figure à tout le monde, ils appelleront la police et il faudrait agir de manière, disons, plus discrète. Rien à foutre d'être discret. Une petite minute, une chose à la fois. On doit d'abord se répartir les rôles. Continue à te goinfrer et t'auras le rôle de l'obèse. Chris, toi, tu es les muscles. Et toi, Tobias, t'es l'initié, celui de l'intérieur. En ce qui me concerne, je suis plutôt le stratège de l'équipe. Alors je propose d'assurer le commandement. Pourquoi, Peter? Parce que t'es comédien? T'as quelque chose à redire? Je pense que certaines personnes ici peuvent faire valoir de réelles connaissances, mais pas de soucis, c'est ok. Je suis habitué à ce que mon talent ne soit pas reconnu par des hommes qui ont le même âge que mon père, surtout. Ah, il aurait fallu que je l'aie très jeune, alors. Non, c'est bon, aucun problème. On peut voter, si tu veux. Qui est pour que je prenne le commandement? Ok, bon, alors, quel est mon rôle, monsieur le commandant? Tu conduiras la camionnette. Non, pas question. Non, là, Rocky peut jouer le chauffeur. Pourquoi moi? Parce que tu contrôles pas tes points et qu'en plus, t'y vois qu'à moitié. Si jamais tu frappes à côté et que t'éclates le crâne de quelqu'un, j'ai pas envie d'attendre dehors dans la voiture de me faire arrêter pour meurtre. Parce que contrairement à vous trois, j'ai personnellement encore toute la vie devant moi. Elle peut s'achever plus vite que tu ne crois. T'as des lunettes pour pouvoir conduire? J'en ai jamais eu besoin. Si tu veux, je t'en prête. Ok, d'accord, je vais le faire, mais on doit faire vite, ok? Parce que ce fric, c'est depuis hier que j'en ai besoin. Bon, alors on doit d'abord faire chacun nos devoirs. Ça commence par divers repérages dans la banque. Vous me suivez? Je me charge de la clé des toilettes. Et de celle de la porte arrière. Et après, on fait un essai. On se procure nos outils de travail, comme une camionnette, des masques et des armes. Ben quoi, je viens de me refaire toute la première saison de Bullet et Podolski. Oh, c'est incroyable! J'aurais jamais cru que je deviendrais le coéquipier de Jürgen Podolski. On n'utilisera pas des vraies armes, pas vrai? Non, on tirera avec des petits pistolets à eau. Je pense qu'on a besoin de vraies armes, mais on les chargera de balles à blanc. Bien vu. Au travail.
Bonjour, Ralph. 11h, à la seconde près. Je pourrais régler ma montre sur l'heure où il va à celle. Suzanne. Service bricolage à domicile. Ah, c'est le ciel qui t'envoie. Tu peux me le laisser combien de temps? Le temps que tu veux. Mon mari ne joue plus avec ses outils depuis déjà pas mal d'années. Il est trop occupé par ses maîtresses maintenant. Ça a tout l'air d'être le grand amour. J'ai supporté ses 4 premières aventures, mais quand il est passé au-delà de la dizaine, ça a été pour moi le point final de notre grand amour. Je vois. Et? Envie de transpirer un peu dans mes bras? Non, j'ai bien envie, mais pas ce soir. Ça, c'est plus important. Tout va bien, Chris? Presque, mais très bientôt, tout ira presque bien. Il faut que je continue, là. Salut! Ceci est un braquage de banque! Gagne-moi le blé! Gagne-moi le blé! Le fric tout de suite, sinon ça va péter! C'est bon, messieurs, dames, tout va bien. C'est juste un cinglé avec une barre chocolatée. Quatre minutes et 16 secondes. Nom d'un chien, ils sont rapides. Waouh, c'est qui cette nana? Commissaire Elisabeth Zollner. Alors avec elle, je veux bien transpirer un peu. Elle dirige l'unité spéciale pour les braquages de banque. Elle ne s'intéresse qu'aux très gros poissons. Mais comment tu sais ça, toi? Non, ben, elle vient une fois par an à la banque et nous apprend comment agir professionnellement face à un braquage. Ah, elle a une poitrine divinement proportionnée. Laisse-moi deviner, tu te secoues le poireau dès qu'elle arrive, c'est ça? Répète ça encore une fois et je t'agrafe les oreilles à tes bourses. Waouh! T'es plus le même qu'avant? Tu me plais comme ça. Garde nos oreilles, les mecs. C'était une fausse alerte. Juste un demeuré avec une barre chocolatée. Verrouillez la banque. J'ai besoin d'une déposition de tous les témoins. Vous êtes sérieuse? C'était une barre chocolatée. Et il y a au moins 50 personnes. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Que personne ne quitte la banque avant d'avoir témoigné. Oui, et ensuite vos hommes ont débarqué. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai l'impression que je vous connais. Sérieusement? Est-il possible que je vous ai vu quelque part? Non, non, je crois pas. Enfin, je veux dire, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Je dois sûrement ressembler à quelqu'un de célèbre. Vous avez déposé de l'argent sur un compte? Pardon? Vous alliez quitter la banque. Est-ce que vous avez déposé de l'argent? Oui. Merci. Personne suivante. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 seulement. Et vous aviez promis 50. 45 ou 50, il n'y a pas franchement de différence. Je peux aller demander aux flics si pour eux il y a une différence. Allez, je veux les 5 qui manquent. Écoute-moi attentivement, sac à poux. Tu vas prendre ce fric et mettre les voiles. Sinon, d'accord. C'est mon point que tu vas recevoir dans ta tronche avant que je te fasse sortir les tripes par les orbites. Pourquoi tu veux toujours leur faire sortir les tripes par les orbites? Chacun fait ce qu'il sait le mieux faire. T'aurais aussi bien pu coucher avec alors. Tu te crois meilleur que tout le monde, c'est ça?
Parce que t'as fait des études. Attends, laisse-moi deviner. Le diplôme le plus élevé que t'as réussi à avoir, c'est le permis de conduire. C'est pas comparable avec mon master en sciences économiques, quoi que tu sembles en penser. Là, s'il vous plaît, reprenez-vous, messieurs. Bientôt, toute cette affaire sera terminée et chacun reprendra sa route, ok? Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Tous les deux. Ouais. Ouais. T'es au-dessus de tout ça, pas vrai? Oui, heureusement, ce n'était qu'une fausse alerte. On ne devrait jamais être trop sûr de rien. J'aimerais avoir un aperçu des transactions faites au guichet. C'est vraiment nécessaire? La vie privée de nos clients... Ce ne sont pas les sommes qui m'intéressent. Je souhaite uniquement avoir la liste de qui était là, qui est parti, quelles transactions ont été faites et par qui, c'est possible? Dites-moi, madame la commissaire Zollner, où puis-je vous appeler, Elisabeth? Je ne sais pas quand vous terminez votre service, mais je connais un charmant petit Italien. Vraiment? Mm-hmm. Quelle drôle de coïncidence. Je connais moi aussi un charmant Italien. Mm-hmm. Massimo? Pouvez-vous raccompagner monsieur à son bureau? L'ami, une Rolex ou autre chose? Passe ton chemin. Chris. Chris, le point d'acier, tu te souviens? C'est bien toi, Chris. Twiggy, Rolfie, ça fait un bail que je vous ai pas vu tous les deux. Un bail, c'est pas encore assez pour que je reconnaisse pas ton horrible tronche. Ton horrible tronche. Ouais, on m'a dit que vous avez fait de la tôle. Ouais, 3 ans à Moabit. Mais sois pas désolé pour moi, j'y ai passé les meilleures années de ma vie, je te jure. Pareil pour moi, c'était vraiment chouette. Vraiment chouette. Hey, tu nous manques, tu sais. Le vieux gang. T'as un nouveau projet? T'as un nouveau projet? Bien sûr. J'ai une nouvelle vie maintenant, une nouvelle femme, un nouvel avenir, et bientôt ma propre salle de boxe. Wow. Eh ben, mon vieux. Chris est devenu un vrai entrepreneur, un peu comme vous deux. Ouais, comme toi et moi, tu dis. C'est trop génial. Pourquoi on fait ça ici, en fait? Parking longue durée. Les gens qui se garent ici sont partis pour des semaines. Avant qu'ils remarquent que leur voiture a disparu, on aura fini. En admettant qu'on trouve une voiture ouverte. Et après? Tobias la fera démarrer avec les câbles. Ah. Tu sais comment court-circuiter une bagnole? Tu peux parier tes fesses là-dessus. J'adore vraiment le nouveau Tobias. Hey, top là. C'est quoi ça? Quoi ça? Ça, je me le suis tatoué moi-même. En japonais, c'est le signe pour un... univers, mon pote. Univers? Ouais. Attends, c'est débile ton truc. Débile? Bah, je veux dire, faut être vraiment malade pour se tatouer ça soi-même. Malade? Tu deviens sourd, grand-père, c'est vrai, ça fait mal. C'est. Ok, j'ai ma dose. Je vais te faire ravaler tes univers, insultes. Franchement, et je vais en profiter pour te refaire le visage. Ok, ok, vas-y, vas-y, c'est toujours grand-père. Vas-y, allez, je te approche. Dis. Mais comment, toi, s'il vous plaît, bouge pas. Hey, mon coup de pied est devenu bouge légendaire. Hé, hey, les gars, j'ai trouvé notre voiture. Désolé, je suis désolé, je croyais qu'on se battait, mais dis quelque chose, toi. J'ai du sparadrap. Vous pourriez rester concentré, s'il vous plaît. Désolé. Allez, venez, on y va. Quand il a dit qu'il savait comment court-circuiter une voiture... Chut, il va y arriver. Tu l'as déjà fait, pas vrai? Disons qu'à proprement parler, j'ai vu comment il faut s'y prendre. Quoi? Non, ne me dis pas que c'est dans Boulette et Podolski que t'as vu ça. Oh, c'est pas... Merde, Tobias, je retire tout ce que j'ai dit avant. Le nouveau Tobias, il te manque des cases ou quoi? Hé, doucement. Détrompe-toi, il me manque aucune case. Saison 6, épisode 3. C'est l'épisode où la secrétaire blonde et moi, on a... Non, tu venais de ressortir du compacteur à métaux avec le rein du danseur travesti. Le travesti? Mmh. J'en crois pas mes oreilles. Ouais, moi non plus, c'est n'importe quoi. Quand je travaillais à la banque, j'ai toujours fait du super boulot. Mais personne ne croyait en moi. Quand je dis que j'y arriverai, j'y arriverai. J'y suis arrivé? Il y est arrivé? J'y suis arrivé? Il est arrivé? J'y arrive. Incroyable. Ça fait 87,50€, s'il vous plaît. Tout de suite. Quelqu'un a de l'argent sur lui? Ok, j'ai ma carte. Pas de carte. Il pourrait remonter jusqu'à toi. Il faut surtout pas que tu utilises une carte. Une petite minute. Mais on fait quoi maintenant? Réfléchis. Tu fonces simplement dans la barrière et le tour est joué.
C'est peut-être pas une bonne idée maintenant qu'elle a vu mon visage. Il ne dit pas du coup que tu vas la buter. Lis dans les pensées. Peut-être que notre commandant a une idée. Tu penses pouvoir la séduire? Qui, moi? La séduire? Non, je veux dire, c'est pas mon point fort. Je me prends généralement avant quand j'essaie de séduire. Mais c'est encore mieux. Tu fonces et prends-toi un vent de plein fouet. Quoi? Ouais, vas-y, sors-lui ton meilleur baratin. Mais j'en ai pas tout fait. T'en as pas? Il en a pas? Quoi, t'en as pas? Mais on s'en fiche, débrouille-toi comme tu peux. Vas-y. Excusez-moi. Voulez-vous prendre un café avec moi? Je veux dire, votre pied avec moi. Non, un café. Prendre un café, pas votre pied. Sauf si vous voulez prendre votre pied. J'ai des préservatifs, enfin un seul. Vous pensez qu'il m'en faudra plus? Qu'est-ce qu'il faut? Ben vas-y, continue. Je ne quitterai pas votre parking sans un rendez-vous. Vous avez le choix. Un café avec ou sans votre pied. Peut-être votre pied avec un café. Neuf n'est plus jamais vous garer dans ce parking. Ok. On a notre camionnette. Elle craquait pas vraiment pour moi. Mais si! T'as pas vu comment elle te regardait? Ouais! Elle était prête à t'épouser. On peut faire demi-tour? Non. Surtout pas, roule. Ok, voici le plan. À 11h tapante, quand Ralph, le monsieur Code, se rend aux toilettes pour lâcher un joli gros bronze dans la cuvette, Chris s'occupe de semer la pagaille dans le hall d'accueil. Alors, j'attire l'attention des Laurel et Hardy de la sécurité. Hé, hey, vous! Pour qu'ils me suivent là dehors. Devant la banque. Ok, moi, entre-temps, je suis ici et j'attends... Que de mon côté, je me sois faufilé jusqu'aux toilettes et que j'extirpe à notre petit chieur la combinaison du code pendant que Max... Pendant que j'attends que Peter me donne le signal que c'est ok. Allez, vas-y, fais-moi le signal. Hey, on n'est pas dans la forêt. C'est une banque. Bon, peut-être, mais là, ça n'a aucune importance. Je peux trouver autre chose plus tard. Bon, alors, j'attends, moi, le signal de Max... Fais-moi le signal. Ok. Let's go, Buffalo! Ça, c'est un signal. Alors moi, j'épingle le Hardy à la porte d'entrée, droite, gauche, badaboum. Et hop, je prends la voiture. Ensuite, tout va très vite. Je mets tout le pognon dans les sacs et on quitte la banque par cette porte latérale. Où je vous attendrai pour disparaître avec vous dans la grande jungle urbaine. Et si malgré tout l'un ou l'autre de ces pantins de la banque avait réussi à donner l'alarme en appuyant sur un des boutons, on aura de toute façon mis moins de 4 minutes à entrer et ressortir. C'est brillant. Vraiment brillant. Alors c'est bon? Oh, c'est bon? C'est oui, bon, c'est très super. Bon. Et je fais quoi, moi? Quoi, tu fais quoi? Je veux dire, je suis où, là? J'ai même pas ma propre figurine. Bon, ça va, j'ai compris. Vous voulez pas que j'en sois, hein? Vous voulez pas m'avoir dans vos pattes, c'est ça? Hé, je vous rappelle que je suis l'initié. C'est moi qui ai procuré la voiture et les clés. Et maintenant, vous voulez calme-toi, tout... Écoute, Tobias, okay. Ici, personne ne refuse de t'avoir dans les pattes. Alors, pourquoi j'ai pas de figurine? Juste après qu'on a cambriolé la banque, qui va immédiatement débarquer, cette fille-là de l'unité pour... Zollner. Oui, elle entrera dans la partie. Et elle commencera par passer sa liste en revue, ok? Les suspects habituels, mais aussi tous ceux qui pourraient avoir un mobile. Et qui peut avoir un meilleur mobile que toi? Donc, pendant tout ce temps, je dois rester planqué chez moi. Il te faut un alibi en béton armé. Tu pourrais peut-être organiser une petite fête ce jour-là. Ouais, c'est ça, une fête. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas vraiment un grand fêtard, désolé. Oh, arrête de te sous-estimer, tu peux le faire. Il faut qu'on trouve un moyen pour que tu sois vu par plein de gens, vraiment plein de gens, qui pourront tous témoigner qu'au moment des faits, ils étaient avec toi. Ou toi avec eux. Quelqu'un peut m'expliquer ce que vous avez en tête? Que la paix soit avec toi, mon frère. Je l'ai déjà vu au moins 6 fois, tu sais. Sa voix parle en moi. Tiens, tu peux le sentir toi-même.
Tu sens sa force qui irradie à travers moi. Bonjour, Ralph. Bonjour. Il est déjà 11h. Un grand merci. Mort aux banques ! On vient récupérer notre fric ! Ils prennent notre pognon, durement gagné, et s'essuient leur gros cul de capitaliste blanc avec. Du coup, notre fric est imprégné de leur merde. Vous le sentez pas? Hé, hey, lâche-toi, quoi. Qu'est-ce que... Hein? Va-t'en, je tiens une conférence ici. On est dans un pays libre, non? Achetez-vous un ticket et rejoignez-moi devant l'entrée. Laurel et Hardy. Inutile de paniquer. Le Saint-Père, quoi qu'il arrive, n'est jamais en retard. Il n'est que perfection. La clarté du soleil au firmament. La profondeur de l'océan. Ceci est un braquage à main armée. Je veux le code de la salle des coffres. Dieter, tout de suite. C'est toi? Va te faire voir ailleurs. Laisse-moi chier tranquille. Alors, tu vois là, tu fais moi le malin, hein? Je veux le code. Ma voix a été formée, elle porte mieux. Je peux le faire aussi bien que toi, aussi bien que toi. On est en train de braquer une banque, alors pourrait-on remettre ce combat de coq à plus tard? Couchez-vous tous! Face au sol! C'est un cambriolage! Où sont ces foutus câbles? Qui, toi? Maintenant, allons-y. Allez, c'est lesquels? Putain, c'est pas vrai! Si j'entends ne serait-ce qu'un murmure, ok? Il se pourrait que je vous ai dit de la boucler. 4, 5. Et il vient d'y avoir un bruit. Je l'ai bien entendu, clairement entendu. Il vient d'y avoir un bruit. Et
Et quoi? C'est quoi? Mais c'est... Oh. Tout va bien! On a encore 2 minutes! Oh, rien de cassé, j'ai juste glissé! Je reviens tout de suite! Qui est-ce qui a le flingue? Qui est-ce qui a le flingue? C'est moi qui ai le flingue! 4, 5, 3, 7, 7, et quoi? Hein? C'est quoi là? Un troisième 7? Un troisième 7? Il y a vraiment 3 7, t'en es sûr? Oh non! Si je vois, ne serait-ce qu'un sourcil frémir chez l'un de vous, vous ferez connaissance avec mon flingue, c'est bien compris? Oh, sacré nom de nom. C'est un vrai flingue, ok? Ce truc-là peut faire énormément de dégâts. Merde alors. Merde alors. Merde. Dégage. Ce sont de vraies munitions, tu le savais? Quoi? Est-ce que tu le savais? On pourrait en parler plus tard, s'il te plaît, merci. C'est maintenant qu'on en parle, tu m'as grugé. Le vendeur n'avait plus aucune balle à blanc. Oublie ça, s'il te plaît. Je veux pas oublier, c'est exactement pour ça que je voulais être le commandant. Exactement pour ça. Houston, on a un problème. Lequel? Si t'es ici avec moi, qui est avec eux? Oh, oh merde! J'aurais réussi à récupérer facilement. Il nous reste 20 secondes, viens! Plus que 10! Plus que 5! Maintenant, où il est? J'en ai pas la moindre idée. Merde. Oh, j'y crois pas. Pitié, faites que ça marche. Faites que ça marche. Je peux pas me retrouver en prison. Vite! Démarre! Quoi? C'est pas vrai. Non, c'est foutu, c'est coupé. L'esprit, faites que ça me fait pas faire rouler cette voiture. Et dehors, vous devez pas vous faire sortir. C'est dehors, vous devez pas. Poussez. Allez. Ouais, ça vient. Jamais je revois vos horribles fesses quelque part, je vous jure que... Oui, bien sûr, je comprends. C'était une idée stupide. Je le ferai plus, je vous le promets. Pauvre type. Incroyable. Il semblerait que tout ça ait été très bien préparé. Les deux braqueurs savaient apparemment qu'il y avait beaucoup de liquide à la banque aujourd'hui. Plus vieux, là, trois. Et ils sont sortis par là. Pardon? Ils ont agi à trois. Notez-le dans votre calepin, ils étaient trois. Les deux hommes avec l'arme, et un troisième, la diversion. Et le chauffeur de la camionnette. Je vais demander qu'on en fasse des portraits robots. C'est une perte de temps. Ils étaient déguisés. Ah oui, comment vous le savez? S'ils savaient qu'aujourd'hui il y aurait beaucoup de liquide à la banque, ils devaient savoir aussi qu'il y a des centaines de caméras ici. Oui, là-bas. Combien ont-ils pris dans le coffre? Plus de 2 millions d'euros. On les retrouvera.
Quelqu'un souhaite dire quelques mots de circonstance? Quoi? Ok. C'était une bonne voiture. Bon, d'accord, pas très fiable ni très rapide, mais... elle brûle! Bien. Ok, les gars. Qui a pris les sacs? J'ai cru que c'était toi, Peter. Oh non! Vite! C'est déjà trop tard! Chris! Bravo! Oh la chute est belle! Oh, je suis trop bonne! Ouais! Hop là! Allez! C'est trop génial, allez, faites ça! Wouhou! Alors, combien il y a? Oh, au moins 2 bons millions. Oh, j'aurais mettre la Schumacher était entré dans la salle des coffres et voir sa gueule. Ok, monsieur. À notre succès. Laissez-moi d'abord sentir. Ça sent comme... comme une belle vengeance. Je crois que nous avons un assez sérieux problème. T'as quelque chose sur le visage. T'as aussi quelque chose... Est-ce que tout le monde le voit bien? Mm-hmm. Oui. Il est possible que ça vous ait surpris, mais moi, je m'attendais à un braquage. Le sans-abri qui a fait irruption dans la banque il y a 5 jours n'était qu'une des pièces d'un grand puzzle. C'est la raison pour laquelle j'ai fait marquer une grande partie des billets. Avec un peu de chance, les braqueurs mettront ces billets en circulation dès aujourd'hui. C'est pourquoi je veux qu'on prévienne immédiatement toutes les banques, les stations-service et les magasins. Et si au fin fond de la Pampa, une Madame Pipi reçoit un de ces billets, je veux le savoir. J'ai d'abord craint que nous ayons affaire à des professionnels. Seulement, ils ont eu cette discussion ridicule à propos des munitions et ont ensuite failli perdre leur arme au profit d'un civil. Ce sont des amateurs. Et à l'heure qu'il est, ils sont nerveux, très anxieux et désemparés. Ils vont faire une erreur quelque part. Il doit y avoir quelque chose. Il y a toujours une erreur. Stop. Zoom sur son poignet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une erreur. On avait tout le pognon et maintenant tout est mort, fichu. J'aurais pu avoir mon club de boxe et des femmes à mes genoux jusqu'à la fin de mes jours. Alors j'ai vraiment envie de foutre mon poing dans la tronche de quelqu'un. Allez, moi aussi. Je sais rien pourquoi. Mais enfin, comment pouvais-tu ne pas le savoir? Les billets n'ont jamais été marqués. Comment je pouvais savoir qu'ils allaient sortir leur spray tout à coup? Juste avant qu'on braque la banque, en plus. Chut, s'il te plaît. Tous les gens ici n'ont pas besoin d'être au courant. On va devoir attendre gentiment que l'eau ait coulé sous les ponts. Tu crois qu'ils vont laisser tomber l'affaire? Allô? Oui? Oui, je me souviens de vous, madame la commissaire Zollner. Comment allez-vous? Oui, j'ai appris... Oui, j'ai appris, j'ai vu ça aux informations à la télé. Ok. Aucun problème. Zollner veut me voir dans son bureau. Elle a des questions à me poser. Oh, la merde, là. On est dans la merde. On est doucement, dans la merde. Inutile de paniquer. Hé, les gars, tout va bien. On avait prévu que Tobias serait soupçonné. Tobias a 500 000 témoins oculaires, dont le pape. Dont le pape, c'est vrai. Alors, on n'a aucun souci à se faire. Le pape est-elle? Allô? Vous pouvez patienter une petite minute, s'il vous plaît. Oh merde!
c'est Zollner. Quoi? Zollner. Pourquoi t'appelles? Je sais pas, je comprends pas. Allez, courage. Oui, non, désolé, j'étais justement... Oui? Oui, j'ai appris par la radio, oui. Oui, d'accord, bien sûr. Si je peux vous être utile. Tu penses toujours que tout va bien? Ça peut pas être elle. C'est... Elle s'est sûrement trompée de numéro. Allô? Oui? Oui, j'ai vu ça à la radio. Ok. Oui, d'accord, très bien. Bonne journée à vous aussi. Désolé, les gars, je suis persuadé que tout se passera bien, ok? Et vous êtes exhibitionniste parce que... Je vous l'ai déjà dit, pas parce que je suis en dépression. Et pour vous sentir mieux, vous courez nu comme un ver devant des milliers de personnes et le pape en prime. J'étais bouleversé. Il fallait que je sente l'air sain sur ma peau. Enfin, le vent, plutôt, fouetter mon corps nu et sans défense pour me sentir mieux et réconforté. Vous savez ce que j'ai du mal à supporter? Que des hommes comme vous prennent des femmes comme moi pour des connes. Une conne? Mais enfin, pas du tout. Je vous dis simplement que je suis pas le seul mec à avoir un tatouage comme ça au poignet. Si j'en crois votre dossier, vous êtes un homme ayant un sérieux passé violent. Un homme qui se contente de prendre ce qu'il veut. Nos vidéos montrent un homme portant votre tatouage, venu prendre plus de 2 millions d'euros. Vous ne trouvez pas ça plutôt troublant? Vous m'aviez dit avoir déposé de l'argent à la banque. Oui. Je sais que vous m'avez menti. J'étais complètement déstabilisé, avec ce sans-abri qui tout à coup... Déstabilisé? Oui, je me sentais... J'avais besoin de reconnaissance. De reconnaissance venant de tout en haut. Et qui est plus haut que le pape, je vous le demande. Vous m'avez l'air nerveux. C'est que... Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Non. Ok. Éclairez-moi. Oui. Si la banque m'avait licencié... Oui. Et que par vengeance, je voulais braquer cette banque, je ferais appel à d'autres pour faire le sale boulot pendant que je ferais en sorte d'avoir un alibi en béton. Où voulez-vous en venir? Eh bien, un sans-abri menace de braquer une banque, vous êtes sur place, mais vous ne déposez pas d'argent. Au lieu de ça, vous avez l'occasion d'observer très attentivement le temps que met la police pour arriver. Si vous aviez vraiment quelque chose contre moi, vous m'auriez déjà mis les menottes depuis longtemps. Vous avez raison, nous n'avons rien contre vous. Vous pouvez y aller. C'est vrai? Merci. Une dernière chose. Vous connaissez cet homme-là? Non. En fait, quand j'ai dit non, je voulais dire oui. Pourquoi avez-vous dit non dans ce cas? Vous le connaissez, alors? Oui, seulement, je l'ai plus vu depuis longtemps. Encore autre chose? Non, rien d'autre. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Boulette et Podolski. À la banque, vous m'avez dit que vous ressembliez peut-être à quelqu'un de célèbre. Mais sur ce point-là aussi, vous m'avez menti. Pas vrai? Petit asticot ramolli. Si je dois couler, tu coules avec moi. C'est ce que tu crois? Ça suffit, vous deux. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne sera pas coincé tant qu'on ne touchera pas aux billets. Mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'on balance 2 millions dans les chiottes et qu'on tire la chasse? Les billets sont marqués, du coup personne ne peut les utiliser. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quand ils arrêteront de chercher ce pognon. Ils arrêteront de le chercher quand ils auront mis la main sur les voleurs. Quand Zollner tient les voleurs, personne ne cherche plus le pognon. Tout ce qu'on doit faire, c'est faire porter le chapeau de notre braquage à une autre personne. Boulette et Podolski, saison 2, épisode 6. Rafraîchis-moi la mémoire. L'histoire de la Ferrari volée. Vous avez essayé de faire porter le chapeau au Mexicain. Oui. Oui.
Oui, c'est ça, oui, oui. C'est tout bon, le Mexicain. C'était un super épisode. Il faut simplement qu'on envoie Zöllner sur une autre piste. Lui livrer quelqu'un qui aurait pu commettre ce vol. Heinrich Schumacher. Qui ça? Heinrich Schumacher. Un type mauvais et dépourvu d'humanité. Un être cupide qui a accès à toute la banque. Heinrich Schumacher est notre Mexicain, les gars. Hey, ok, mais comment on fait pour amener Zöllner à s'intéresser à lui, hein? Je sais. Elle est célibataire. Non. Quand Zöllner m'a interrogé, elle a reçu un message sur son téléphone de Eternity. Elle est célibataire et elle est en chasse. À nous de lui fournir sa proie. Un mec qu'elle ne vient pas d'interroger concernant braquage de banque. Moi? Non! Non! Max! Non! On est une équipe! Non, c'est plus le cas. Je refuse d'aller en prison pigé, je me retire. Donc t'es prêt à renoncer à tout le fric? Oui, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ah, certains d'entre nous n'ont pas le luxe de pouvoir aller se consoler auprès du chéquier de papa. C'est pas le sujet. Aussi, c'est le sujet. Tu peux aller te faire repoudrer le cul de caviar quand tu veux. Hé, hey, tout mon argent, c'est moi qui l'avais gagné chaque scène tout seul. C'est ça, pleurniche, boucle d'or. Tu veux un coup de pied dans ta tronche? Hein? Ton coup de pied a réussi à m'atteindre parce que je regardais pas. Alors cette fois, je vais m'assurer que tu regardes. Ok. 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 Alors d'accord. Cette fois, je regarde. D'accord, viens, viens, viens. Hé, hey, t'as un truc sur ton nez, là. Où ça? Alors, je te casse le bras, morveux. Non, arrête, ça fait mal. Quoi? Tu renonces à te battre? On ne devrait pas intervenir. Mal, j'ai pas entendu. Ok, je renonce à me battre. Tu vas rester bien sagement dans l'équipe jusqu'à la fin de tes jours, ok? Jusqu'à la fin de mes jours et au-delà, ok? Tu vois? Freddy? T'écris pas, là? Non, je me suis dit que j'allais plutôt préparer le plat préféré de mon homme. Viens, tu peux déjà goûter. Génial, merci. J'en salive déjà. Je peux tout expliquer. Ton groupe de poker. Non, mais tu me prends vraiment pour une grosse canne! Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu te rends compte au moins dans quel pétrin tu t'es mis? Tu tiens vraiment à ce que les filles grandissent sans leur père? Non, j'ai pas été tout à fait sincère avec toi. J'ai un peu joué avec nos économies, mais tout allait bien. La banque a tout fait foirer. Ah, et maintenant, c'est la banque qui est responsable de tout! Oui, on peut le dire comme ça. C'est vraiment n'importe quoi! N'importe quoi! Tu as un sacré culot, mon ami! Arrête, s'il te plaît. Je sais, j'ai merdé. Mais on vient de trouver un moyen de se tirer d'affaire, tout en gardant le pognon. Et plus important encore, faire porter le chapeau à une véritable crapule. Combien il y a d'argent? 2 millions. Je sais parfaitement ce que tu vas dire. Je n'ai jamais été aussi furieuse contre toi. Et nous saurons très bientôt, en allant voir un conseiller conjugal, à quel point je peux t'en vouloir. Mais là, je veux juste savoir une chose. En quoi je peux vous aider? Dis-moi ce que je peux faire pour qu'on puisse garder l'argent. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Quelle question, franchement. Bien sûr que vous pouvez me faire confiance, abruti. Si vous, vous êtes dans la mouise, mon mari est dans la mouise, et ça, c'est mauvais pour nous tous. Les cheveux doivent être coiffés autrement. Bien sûr, ça arrive. Alors, regarde un peu. Je suis bénévole à la soupe populaire. Mais pourquoi t'écris ça? J'ai jamais été bénévole à quoi que ce soit. Zöllner est une femme, et moi aussi. Je sais parfaitement ce qu'elle a envie de voir dans un profil de rencontre. Non, l'autre. Ah oui, autre chose. Faut pas utiliser ton nom de famille. Elle remarquerait tout de suite que tu fais partie de ceux qui ont perdu toute leur économie. L'arrêt au milieu, ou pas? Au milieu, oui, peut-être. Ton nom de profil est... Mad Max. Quoi? Bon, et peut-être aussi un chien. Comment ça, un chien? Ah oui, une photo avec un beau petit chien. Impossible, je suis allergique au chien. Un chat, peut-être? C'est vraiment nécessaire. Oui, il nous faut un chat. Qui s'en occupe? Non, moi. Campagne choc, slogan mortel, toujours débordé et sous-évalué, je réaliserai malgré tout mes rêves. Jeudi soir à 20h, c'est bien ça? Moins le quart. Et t'es sûr et certain que Schumacher, bah vraiment... Tous les jeudis, à 8h moins le quart. Et cette fois-ci, il y emmènera Heidi.
Pourquoi pas sa femme? Elle sera un événement caritatif. Elle viendra? Elle a dit oui. On a droit qu'à une seule chance. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Tu crois que ce collier pourrait plaire à cette Heidi? Je te l'ai offert pour notre anniversaire de mariage. Ne te donne pas cette peine, je sais que ce sont de fausses perles, mais Heidi ne le saura pas. Ah, moi, elles ont dit que c'était des vrais. Je l'ai payé une fortune. Et quoi, c'est tout? Ouais, c'est tout. Vous devriez y arriver. Ah oui, j'oubliais, l'un de vous devra avoir un tatouage comme celui-ci au même endroit. Et ça représente quoi? C'est du japonais et ça veut dire univers comme univers. Mais comment on va faire si on doit décrire ce mec? Ouais, comment on fait? Bah, voilà à quoi il ressemble. C'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis longtemps. On devrait faire ça plus souvent, prendre une babysitter et sortir tous les deux. Oui. Ou peut-être simplement mettre un braquage sur le dos de parfaits inconnus. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû te dire la vérité beaucoup plus tôt. J'étais peut-être trop fier ou trop stupide. Peut-être que toute cette débâcle est un signe, en fait. C'est peut-être le signe qu'il est plus que temps que tu trouves enfin un autre boulot. Un boulot plus fiable. Une minute. Je suis comédien, ok? Et j'ai été formé par le grand Dustin Hoffman. Bon, je sais, pas personnellement, mais j'ai... Ça y est, ça commence. Qu'est-ce qui commence? Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous débarrasser de vos manteaux? Très volontiers. Allons-y. Bonne soirée. Merci. Je suis sûr qu'elle le sent. Mais enfin, pardon, excusez-moi. Vous pourriez faire un peu attention. Une seconde. C'est le vôtre? Oh, je suis vraiment désolé. Des gants de cuir? Ah, toutes nos excuses, monsieur. Mon mari est parfois si maladroit. Ah, je comprends. Et pour les gants, c'est vrai qu'ici, les prix sont tels qu'on peut en avoir les doigts qui gèlent au moment de payer. Tout s'est passé comme prévu? Comme sur des roulettes. Bien attention, ce serait bête que tu effaces ces empreintes. Elisabeth? Bonsoir, je suis... Mad Max. Enfin, Max. Juste Max. C'est mon premier rendez-vous via Internet. Vous êtes magnifique. Merci. De rien. Oui, oui, oui. Voilà, ici. Madame? Monsieur? Est-ce que tout va bien? Oui, 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 tout va bien. C'est juste... cet homme là-bas. Je le connais. Une coupe de champagne? Une bouteille. Gardez bien un œil sur vos téléphones. Je vous appelle s'il se passe quelque chose. Ok. Je peux savoir pourquoi tu n'arrêtes pas de triturer ton collier de perles? Je veux que mon admirateur secret voie à quel point il me plaît. Ton admirateur secret? Eh bien, dès le moment où je saurai qui c'est, je lui en ferai part. Un jeu de rôle, j'imagine. Très excitant. Tu n'es pas du tout mon admirateur et... tu es plutôt mon jardinier. Et moi, je suis une stripteaseuse qui attend impatiemment que son buisson soit arrosé. On dirait que sa femme est nettement plus jeune que lui. Ce n'est pas sa femme. Juste une de ses collaboratrices.
Lui, je l'ai vu aux informations il y a quelques jours. C'est le gars dont la banque a été braquée. Pas si fort. Oh, d'accord, pardon, mais pourquoi? J'enquête sur cette affaire. Comment ça, vous... Vous êtes dans la police ou quelque chose comme ça? Oui. Je dirige une unité spéciale pour les braquages de banque. Ok, je vois, c'est surprenant. Pas de problème si vous voulez partir en courant, c'est ce que font la plupart des hommes. Pourquoi je partirais en courant? Je sais pas. Les hommes sont souvent contrariés d'apprendre ce que je fais. En ce qui me concerne, je trouve ça, comme dirait ma mère, plutôt... sexy. Avec un Z? Sexy, ouais. Sexy. Ouais. Où est-ce que tu as appris à faire ça? J'ai eu une jeunesse assez mouvementée. J'ai rien contre, j'aimerais juste que l'alarme ne se déclenche pas. Rocky Balboa, beau travail. Hé, hey, tu me remets une seule fois la main au cul et je te jette en bas de l'échelle. Compris. J'adorais jouer au détective quand j'étais petit. Ouais. Alors. C'est sexy. C'est gentil, je vous en resserre une goutte, ensuite j'enlèverai le stylo, merci, sinon vous ne comprendrez rien à ce que je dis. Ok, alors on se concentre. J'essaie de deviner. Attention. Ok. Ah oui, je vois que l'homme a un peu de sang sur ses doigts. Si vous pouviez le réchauffer un peu, merci. À moins que ce ne soit qu'un peu de rouge à lèvres. Non, il est évident qu'il est coupable. Vraiment? Bien essayé. Mais directeur de banque ou braqueur de banque, c'est du pareil au même, non? Ce soir, on va dire que oui. Non, mais sérieusement, vous avez déjà pensé à ça? À quoi? Je veux dire, dans tous les bons polars, c'est comme ça. Le plus invraisemblable s'avère souvent le plus probable. Ouais, enfin, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que il faudrait que je braque une banque si je voulais offrir un collier de ce genre. Encore un peu de champagne? C'est juste une idée comme ça. Mm-hmm. Ça te dirait la menuiserie? T'es plutôt doué pour fabriquer des meubles. Souviens-toi quand tu as fabriqué la maison de poupée pour les filles. Est-ce que tu demanderais à un chirurgien cardiaque de vendre des chaussures? Hmm? Ou à un astronaute de devenir boucher? Tu ne peux pas comparer un chirurgien ou un astronaute avec un comédien? Bien sûr que non. Être comédien, ça demande des années de travail. Ok. Allez. C'est pas si terrible, crois-moi. C'est pas si terrible. Dis-moi si tu sens quelque chose. C'est pas si terrible. Ah, chut, tais-toi. Heinrich? Tout va bien, t'es pas paralysé. C'est seulement le choc. Heinrich? Je vais te relever et t'aider à sortir, ok? À trois, prêt? Un, deux, trois. Vite, les gants. Faut pas laisser d'empreinte. Ah!
Heinrich? Oui, aux dernières nouvelles, en tout cas. Oh. Oh. C'était quoi? Un fer 7? Non, un 5. J'ai mal dosé le swing. Je crois pas. Je l'ai pas senti. Tu peux m'expliquer ce que tu fais dans ma salle de bain, Chris? C'est une très longue histoire. Tu crois que j'ai envie de l'entendre? Non. Écoute, tu m'as bien dit un jour que tu ferais disparaître ton mari d'un simple claquement de doigts, si tu le pouvais. Mm-hmm. Tu en rêves toujours? Plus que jamais, oui. Tant mieux. Alors, tu ne m'as jamais vu. Je n'ai jamais été ici. Ok? Il faut que tu me fasses confiance. Je vais repartir comme je suis arrivé. Ah, t'es là? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Je donnais une conférence. Allez, on se tire. Une conférence? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Mission accomplie. Je vous expliquerai plus tard, ok? Quoi? Ça va? Oui. Quand j'ai eu 18 ans, je suis allé voir mon père et je lui ai dit que je n'accepterais plus jamais le moindre cent de sa part et je m'y suis tenu. Et il l'a accepté? Non. Il a détesté. Lui avait l'argent et c'est comme si c'était une laisse qui lui permettait de me contrôler. Mais je voulais être libre. Ouais. Je connais ça. Voilà, j'habite ici. Écoute... Excuse-moi pour mon comportement ce soir, j'ai été... Cruel. Oui, absolument. Ça fait tellement longtemps que je ne suis plus sortie avec quelqu'un, alors j'ai eu besoin de boire pour me donner du courage et je crois... Ça a été une superbe soirée. Oui, je trouve aussi. Peut-être qu'on pourrait remettre ça. Le repas à deux? Ou le baiser? Oui, peut-être. C'est bon, on les tient. Qui ça? Eh bien, les braqueurs. On a signalé des billets marqués dans une station-service. Et tenez-vous bien, l'un des types a un tatouage au poignet. Le symbole japonais pour univers, je présume? Ouais. Dites-moi, quand avez-vous dit que ça a eu lieu? Vendredi, il y a deux semaines. Vendredi, il y a deux semaines. Et pourquoi avez-vous choisi de braquer la banque précisément ce jour-là? Moving day. C'est le moving day? Moving day est un terme que seules les personnes travaillant dans une banque utilisent. Est-ce que vous aviez un informateur à l'intérieur même de la banque? Ouais. Ouais. C'est cet homme-là? Ce type-là? Je l'ai jamais vu. Non. Non. De qui s'agit-il alors? Qui était votre contact? Heinrich Schumacher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai un mandat de perquisition. Quoi que vous ayez, ça ne vaut rien. Je joue au golf avec le procureur de la République et je vais me faire un plaisir de l'appeler tout de suite. Je vous en prie, allez-y, appelez-le. C'est lui qui a signé le mandat. Commissaire Zollner, vous devriez venir voir. Une minute. Que les choses soient claires. Je n'ai jamais vu ce sac de ma vie. Vous partez en voyage? Et comment ça? Non. Pourquoi? Vous vous trompez. Je vous assure que ce ne sont pas mes passeports. C'est ce qu'on va voir. Mais... Une perquisition menée au domicile d'Heinrich Schumacher, qui dirige une des banques les plus prospères du pays, a permis de mettre la main sur 1,7 million d'euros, ainsi que sur une série de faux passeports. Un des membres de la police de Berlin nous a également informé que M. Schumacher a pris des renseignements sur plusieurs banques offshore, probablement dans le but de pouvoir blanchir l'argent volé et marqué à l'étranger. Heinrich Schumacher et ses deux complices vont devoir se préparer à passer des années en prison. Chère Elisabeth, pas mauvais détective, n'est-ce pas? Je pense constamment à toi. Quand puis-je te revoir?
Excusez-moi, on fait quoi maintenant? On continue à chercher l'argent qui manque? Non, les assurances vont prendre leur lait. Je viens de recevoir des instructions d'en haut. Nous ne pouvons pas nous permettre de poursuivre l'enquête. Ok. Ah oui, merci. Ça lui plaira? Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Mais non, c'est beaucoup, je peux pas accepter. Pas de discussion. Tobias, prends-le, c'est ta part. Non, vraiment, je peux pas. Tobias, tu mérites aussi ta part, on est une équipe. Allez, tiens. Bon. À notre succès. Santé. À notre équipe. À notre équipe. Pas mauvais, hein? Pauvre Schumacher, ils vont lui visser les joyeuses dans le derrière. C'est son karma. Hé, hey, j'ai connu une karma, les gars. Une stripteaseuse, un vrai canon. Pour elle, t'aurais accepté de te foutre à poil. Oh, même le pape m'a vu dans toute ma splendeur. J'ai plus peur de me montrer à poil. Vous savez quoi? Je trouve qu'on est un peu comme les... Les quatre mercenaires. Les quatre mercenaires, vraiment? Pas toi, évidemment, boucle d'or. Je compte double, moi. Parce que tu dois t'y prendre à deux fois pour compter? Oh, regarde qui est là! Là-bas. Allô? Ok, ça marche. Je m'en occupe. Elisabeth, tu peux déjà faire couler l'eau, d'accord? Ok, chérie, à tout de suite. Ok, il faut que je file. À la prochaine. À la nôtre. Santé. Au fait, Elisabeth était à la banque impériale aujourd'hui. Et elle dit que... Elle dit que l'endroit est un véritable repère d'arnaqueurs. Comparé à eux, Schumacher, c'est le Dalai Lama. On dit juste le Lama. Tu veux dire que, karmatiquement parlant, ils sont... Pour ainsi dire, exploitables? Dites, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Absolument rien, on veut rien dire par là. Tu vas chercher... Non, rien, on veut rien dire du tout. Ha 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 ha